messieurs. Bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, sous un autre angle, on va aller faire un tour dans le ciel. C'est bien, hein? Avec M. Gaétan Laflamme, qui est astronome. Alors, M. Laflamme, je vous laisse vous présenter. C'est un bien grand mot, astronome. Il y a astronome professionnel, il y a aussi astronome amateur. Donc, bonjour tout le monde. Gaétan Laflamme, je m'occupe du club d'astronomie depuis plusieurs années au Sentier pédestre des Trois-Monts. Puis, on a fait beaucoup d'activités au cours des dernières années. Cependant, à partir de cet automne et le printemps prochain, on va modifier un petit peu la façon de procéder. Ça va être plus des observations à l'extérieur qu'on va organiser pour pouvoir voir le ciel. Pour les prochaines semaines, dans le ciel, qu'est-ce qui nous attend? Bon, ce qui nous attend au cours des prochaines semaines, d'abord, on peut parler de l'automne qui arrive. Donc, le 22 septembre cette année, ça arrive le 22 déjà septembre trop, déjà à 20h04 le soir. Eh bien, c'est l'automne qui arrive. Puis, c'est un phénomène astronomique dans le sens que, par rapport à la Terre et l'équateur de la Terre, eh bien, le Soleil va se retrouver directement au-dessus de l'équateur. Puis, par la suite, le Soleil va commencer à traverser l'équateur dans la partie sud de l'hémisphère terrestre. Puis, à ce moment-là, il va y avoir moins de lumière qui va arriver dans l'hémisphère nord, puis on va commencer l'automne. Donc, c'est un phénomène qu'on ne peut pas vraiment observer, mais avec les mesures qui sont prises depuis l'Antiquité sur la façon que les astres se promènent dans l'espace, puis que le Soleil se déplace aussi. Donc, on a pu déterminer que l'équinoxe d'automne arrivait le 22 septembre 2022 à 20h04, ça va être l'automne. Donc, c'est un des premiers phénomènes astronomiques. La deuxième chose, c'est qu'on peut voir certaines planètes dans le ciel. Donc, à l'œil nu, c'est possible de voir jusqu'à 5 planètes. Puis, de ce temps-ci, on peut voir facilement Saturne, Jupiter et la planète Mars. Donc, si on y va un petit peu dans le temps, on est rendu le 26 septembre, il va y avoir ce qu'on appelle une opposition de la planète Jupiter par rapport au Soleil et la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire, opposition? C'est tout simplement que par rapport au Soleil, qui est, disons, ici, on a la Terre, puis on trace une ligne droite, puis Jupiter va se retrouver directement dans l'axe de Soleil, Terre et planète. Okay. À ce moment-là, c'est le meilleur moment pour pouvoir observer la planète Jupiter, parce qu'en étant, la planète est au plus près de la Terre à ce moment-là, ou presque au plus près lorsqu'elle est en opposition. Puis, on sort nos télescopes, on sort nos jumelles, on regarde avec nos yeux, on détermine où est la planète, puis on en profite pour l'observer, parce que c'est un des meilleurs moments où on peut la voir. Saturne était, on peut la voir encore facilement dans le ciel, mais elle était en opposition le 14 août. Donc, c'est encore le temps de l'observer, mais Jupiter, yeah, encore beaucoup mieux pendant cette période-là. Okay. Puis, il y a aussi que ce phénomène-là, lorsqu'elle est en opposition, la planète se lève lorsque le Soleil se couche. Donc, on regarde à l'est, puis elle est au zénith ou plus haut dans le ciel à minuit le soir, puis elle se couche à l'ouest. Au moment où le Soleil se lève, vous avez tout compris. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un des meilleurs moments pour pouvoir l'observer. On peut l'avoir pendant toute la nuit, pour ceux qui veulent veiller un peu plus tard, pour pouvoir l'observer pendant plusieurs heures. Donc, c'est un phénomène intéressant à ce moment-là. Je vous interromps. Le phénomène des Perséides, est-ce qu'on peut le voir encore d'ici le 22 septembre? Les étoiles filantes qu'on appelle les Perséides sont terminées pour cette année. Donc, le point maximum des Perséides, c'était aux environs de 12-13 août. Puis, il y en a eu énormément cette année. Mais ce n'était pas la meilleure période pour l'observer parce que la Lune était présente dans le ciel. Puis à ce moment-là, ouais, c'était plus difficile d'observer les Perséides. De mon côté, avec un projet de collaboration avec l'Université Western Ontario, j'ai des caméras qui surveillent, qui prennent des photos pendant toute la nuit des étoiles filantes. Puis, on enregistre les images pendant toute la nuit, puis on transmet ces images-là à l'université qui, elle, analyse toutes les données pour vérifier les orbites des étoiles filantes. Puis, en connaissant les orbites, eh bien, on est capable de déterminer l'origine
des comètes qui ont pu se désintégrer. Générer ces poussières-là. Ils se désintègrent. Donc, une comète, lorsqu'elle passe près de l'orbite de la Terre, eh bien, elle laisse de la poussière, parce qu'en s'approchant du Soleil, elle dégage des gaz et de la poussière. Puis ces poussières-là peuvent rentrer dans l'atmosphère de la Terre, puis là, on les aperçoit. Puis ce projet de recherche-là a comme intérêt de déterminer s'il y a des dangers pour les satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Ah, ben oui. Donc, c'est un projet qui est presque qui est international, d'une certaine façon. Au Québec, on est 8 astronomes amateurs à avoir des caméras pour transmettre les données, mais au niveau international, il y en a des milliers de caméras qui surveillent le ciel en continu. Donc, on est capable de faire avec différents pays où il y a des caméras installées, de voir tout ce qui se passe pendant une nuit, pendant 24 heures, en fait. Une nuit de 24 heures. C'est ça. On s'amuse à regarder toutes ces étoiles filantes-là. Puis pendant les perséides, les caméras étant très sensibles, on peut apercevoir sur les caméras qu'il y a beaucoup, beaucoup de perséides. Fait que tant qu'il n'y a pas de pleine lune, puis ça va attendre, ça, on va devoir attendre l'an prochain. Okay. Et donc, au mois d'août, ça dure à peu près 36 jours, la période des perséides, mais le maximum étant le 12 août. Donc, l'an prochain, peut-être que la lune ne sera pas présente, puis on va pouvoir en bénéficier. Il suffit de s'installer, puis regarder le ciel d'à peu près dans n'importe quelle direction, puis on peut en voir énormément. Et se dépêcher à faire des souhaits avant qu'ils éteignent. Effectivement, c'est souhaitable. Alors là, on est rendu en octobre. Le 8 octobre, il y a une belle possibilité d'observer la planète qui est beaucoup plus difficile à voir. Beaucoup d'amateurs n'ont même jamais réussi à l'apercevoir. Donc, on est rendu le 8 octobre, le matin. Dans le ciel du matin, la planète Mercure va être visible du côté est. Donc, avant le lever du soleil, on regarde du côté est. On prend une paire de jumelles, tout simplement. On essaie de repérer un beau petit point blanc qui se distingue par rapport aux étoiles parce que le scintillement est différent. Puis, une fois qu'on l'a repéré avec les jumelles, on peut l'avoir facilement à l'œil nu. Puis, on peut l'observer jusqu'au lever du soleil parce que Mercure, à ce moment-là, par rapport au soleil, on appelle ça une élongation. C'est qu'elle est au plus loin du soleil qu'elle peut être. Donc, plus haut dans le ciel pour un observateur, pour pouvoir vérifier la position de la planète Mercure. Okay. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir repérer la planète qui est parfois difficile à observer, mais en allant chercher le document, vous allez avoir un petit peu plus d'explications sur la façon de repérer Mercure dans le ciel. Donc, je connais beaucoup de personnes qui n'ont jamais réussi à l'avoir, Mercure. Parfois, on peut l'avoir le matin, parfois, on peut l'avoir le soir, mais au mois d'octobre, on peut l'avoir le matin. Fait que c'est une belle opportunité pour repérer cette planète-là. Le 8 octobre, elle est au plus... Dans les journées précédentes, on peut la voir aussi, mais elle va être plus basse à l'horizon. OK. Puis les journées après, elle va commencer à baisser être plus basse à l'horizon. Mais la journée optimale... C'est le 8 octobre. Effectivement. Par la suite, eh bien, vous avez peut-être déjà entendu parler des Pléiades. Oui. Bon, les Pléiades, pour les repérer, eh bien, une façon facile de les repérer, c'est le 13 octobre. Eh bien, la Lune va être juste en dessous des Pléiades. Donc, vous repérez la Lune, vous levez les yeux un petit peu, vous allez voir les Pléiades. On les appelle les sept sœurs. Donc, on peut voir à l'œil nu, pour des personnes qui sont plus jeunes, jusqu'à 7 étoiles facilement à l'œil nu. Donc, pas besoin de télescope pour pouvoir l'observer, mais c'était très belles étoiles qui sont bleues. Donc, on peut parfois, tant que le ciel est bien transparent, voir les couleurs de cette constellation. Pas constellation, mais parce que les Pléiades se retrouvent dans la constellation du Taureau. Donc, les Pléiades, on appelle ça un amas ouvert. C'est un groupe d'étoiles qui sont très près l'une de l'autre. Puis, par rapport à la Terre, eh bien, elles paraissent comme être regroupées. Puis, on peut les voir facilement à l'œil nu. Donc, c'est un phénomène qui est aussi intéressant à observer. Puis, une fois qu'on a repéré les Pléiades, une fois en se servant de la Lune comme point de repère, eh bien, par la suite, vous allez tout simplement lever les yeux au ciel. Vous allez pouvoir dire à vos amis, voici les Pléiades, voici où ils sont, peu importe qu'il y ait une Lune ou pas. La pression atmosphérique peut-elle jouer un jeu sur le... C'est
pas la pression atmosphérique en tant que telle, mais c'est plus l'humidité dans l'air qui nous permet de bien voir les étoiles ou de moins bien voir les étoiles. C'est plus les variations de température dans la haute atmosphère. Puis les variations d'humidité dans l'atmosphère. Quand l'automne arrive, on peut mieux voir les étoiles? Pas nécessairement. Non. C'est l'automne, habituellement, il y a plus d'humidité. Donc, l'hiver, c'est la période idéale pour pouvoir observer. Parce que le soleil, premièrement, se couche un peu plus tôt. Oui. Puis on a une nuit qui est plus longue. Puis, étant donné qu'il y a moins d'humidité dans l'atmosphère, ça nous permet de mieux observer et moins de scintillements au niveau des étoiles. Mais l'automne, tant que le ciel est clair, on peut en profiter aussi. Hein. Ouais. Il fait moins froid aussi. En octobre, est-ce qu'on a d'autres observations intéressantes? Une fois que vous avez repéré les Pléiades, là, si vous regardez un petit peu à gauche, vous allez voir la planète Mars. Puis la planète Mars, vous avez tout simplement qu'à attendre le 14, le lendemain, la Lune va se déplacer dans le ciel. Donc, elle va partir d'un endroit, elle va se déplacer du côté gauche, donc vers l'est, le lendemain, puis elle va se retrouver près de la planète Mars. Donc, si vous n'avez jamais vu la planète Mars à l'œil nu, eh bien, il suffit de repérer la Lune encore une fois et la planète Mars va se retrouver. C'est pas la planète la plus facile à voir, ça? C'est une planète qui est relativement facile à voir, Mars, parce qu'elle apparaît beaucoup plus rouge dans le ciel par rapport à toutes les autres étoiles qui vont nous paraître plus blanches ou bleues, parfois orangées, mais c'est assez rare. Mais la planète Mars est vraiment peut être distinguée facilement par sa couleur. Puis si vous voyez la Lune, le 14, eh bien, elle va être à côté de Mars, puis Mars juste au-dessus, vous allez distinguer facilement la couleur. Puis si vous avez un télescope, eh bien, vous pointez votre télescope sur Mars, vous allez pouvoir distinguer beaucoup de détails sur la planète en question. Ça, c'est parfois, le 14 octobre. Le 14 octobre. Le lendemain, on peut voir la Lune à côté des Pléiades. Puis à partir de ce moment-là, quand vous avez un télescope qui peut-être un petit peu plus puissant, un télescope de 6 pouces ou 8 pouces, eh bien, vous pouvez peut-être même voir les calottes polaires de la planète Mars. Ah oui? Donc, on peut voir que la calotte polaire, parfois, elle grandit, parfois, elle se rapetisse. Donc, il y a des périodes pendant l'année qu'on peut voir que la calotte polaire a grandi. Puis, avec un télescope, on peut parfois distinguer la calotte polaire de la planète Mars. Ah, c'est intéressant. Je voudrais tout simplement, vu que je parle un peu de télescope, tout simplement passer un message pour le réseau des bibliothèques de Thetford. Et il y a un projet qu'on a fait il y a 3 ans, en 2019, un projet où on a acheté, avec la collaboration de la bibliothèque, 4 télescopes qui ont été payés par les bibliothèques de la région de Thetford, où on rend disponible, comme on rend disponible des livres, ce qu'on appelle les bibliothécoscopes. Donc, on peut emprunter des télescopes au cégep ou à la bibliothèque Libeaucoup pour présentant tout simplement notre carte de membre de la bibliothèque. Puis, toutes les instructions sont bien indiquées sur la façon d'utiliser les télescopes en question. C'est une bonne façon de commencer à observer après avoir commencé à observer à l'œil nu. Donc, on peut emprunter des télescopes. C'est très facile et vous pouvez en profiter. C'est gratuit. C'est un projet qu'on a bien aimé mettre en place. Ça n'avait pas été publicisé, ça? Oui, il y a eu un peu de publicité de fait, mais ça s'est fait surtout dans les bibliothèques. Ah, OK. Donc, on a été le deuxième... ça a été le deuxième endroit au Québec où il y a eu des bibliothécoscopes installés. Le premier, c'était à Rimouski. Puis, vu que j'ai eu des bons contacts à Rimouski, parce que j'ai travaillé là pendant 30 ans, on a fait le même projet ici, puis en collaboration avec le cégep puis la bibliothèque de la région de Thetford. C'était un projet intéressant avec M. Garneau de la bibliothèque. Là. C'est lui qui a tout payé avec son téléphone. passer le 14? Le 14, à ce moment-là, bien, je vous proposerais d'observer Saturne. Saturne est un petit peu plus difficile à distinguer. Ça prend une bonne paire de jumelles pour pouvoir la repérer dans le ciel. Ou un télescope. Ou un télescope, mais il faut savoir où elle est. Puis pour savoir où elle est, eh bien, on peut aller au 1er novembre. Le 1er novembre, la Lune va être juste en dessous de Saturne. Et Saturne, ce qu'elle a comme caractéristique spéciale, c'est qu'on peut voir facilement avec des jumelles, avec un télescope, mais pas à l'œil nu, les anneaux de Saturne.
Donc, les anneaux, c'est très intéressant à voir et à montrer, surtout aux jeunes. Lorsqu'on commence à faire de l'astronomie, eh bien, les jeunes sont très, ils sont très intéressés à observer les anneaux de Saturne. Il y en a sept? Il y en a plusieurs. C'est une couche de glace, une couple de mètres d'épaisseur. Puis lorsqu'elle est bien alignée, eh bien, on peut voir vraiment les différentes caractéristiques de chacun des anneaux. Puis parfois, il y a des lunes qui circulent à l'intérieur des anneaux, qui ont fait que, on appelle ça une séparation, ça fait une séparation entre les anneaux, puis on peut les distinguer avec certains types de télescopes. Donc, mais c'est pas avec des jumelles. Non, avec les jumelles, ce serait, on peut percevoir les anneaux, mais pour distinguer les séparations entre les différents anneaux, ça prend un télescope un petit peu plus puissant. Entre autres, les télescopes qu'on peut emprunter à la bibliothèque sont suffisamment puissants. Même si ce n'est pas des très gros télescopes, on peut profiter de l'observation de Saturne à ce moment-là, le 1er novembre, pendant presque toute la nuit. Disons que Saturne se retrouve un peu au sud, puis il suffit de la repérer avec la Lune, puis on va pouvoir regarder les charmes de Saturne. Là, on commence à rentrer un peu dans l'hiver. Oui, on est presque pas encore tout à fait en hiver, mais encore en automne assez profond. Donc, on trouve le 4 novembre, on peut repérer encore une fois Jupiter, qui va changer de position dans le ciel en se servant de la Lune. Donc, le 4 novembre, on regarde la Lune, puis on retrouve Jupiter. Puis, c'est une belle façon de pouvoir la repérer. Puis, le 8 novembre, prenez ça en note, à 4 heures du matin, 4 heures 10, vous allez commencer à voir la Lune qui rentre dans l'ombre de la Terre. Donc, il va y avoir une éclipse de Lune totale à 4 heures du matin, 4 heures 10, en fait. Elle va commencer un petit peu plus tôt parce qu'elle rentre dans la pénombre de la Terre. Okay. Ça, c'est pas vraiment perceptible à l'œil nu. Mais c'est perceptible lorsqu'elle entre dans l'ombre, la Lune va devenir d'un beau rouge de plus en plus, avec un point maximum à 5 heures et quelques du matin. Donc, une belle façon de pouvoir... C'est une éclipse totale? Une éclipse totale de Lune, mais qui ne sera pas complète à, je disais à Coleraine, mais à Thetford ou peu importe au Québec, partout au Québec, c'est que la Lune va se coucher. Ah. Juste avant que l'éclipse totale se termine. Donc, une minute avant. Donc, on dit qu'elle n'est pas totale. Parce qu'elle va, on peut la percevoir presque au complet. Mais pour quelqu'un qui la regarde, il va considérer qu'elle est totale. Il va considérer que c'est une belle éclipse de lune. Puis si on est chanceux, puis que le ciel est dégagé. La dernière fois, c'était au mois de mai, puis le ciel n'était pas très dégagé. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à percevoir la Lune à travers les nuages. Mais cette fois-ci, en espérant qu'il n'y ait pas de nuages, prenez ça en note, le 8 novembre, à 4h10 du matin. Les lève-tôt. Les lève-tôt, effectivement. Il y en a qui se lèvent tôt. Hein? C'est que moi, je me lève toujours tôt tant qu'il y a un système, tant qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, ce ne sera pas une activité grand public, mais ça va être une activité que vous pouvez faire à l'œil nu, pas besoin d'équipement. Il n'y a aucun danger à observer la Lune pendant une éclipse. Donc, c'est pas comme le soleil. Non, le soleil, c'est très dangereux. Il faut avoir... si on veut observer le soleil, il faut, comme lorsqu'il y avait eu une éclipse totale il y a quelques années, qui était visible dans la région de Thetford. Elle n'était pas totale à ce moment-là, mais partielle. Donc, le soleil était recouvert en partie par la Lune. À ce moment-là, ça prend de l'équipement spécial, puis une protection spéciale pour pouvoir observer le soleil. Mm-hmm. Donc, il faut faire très attention pour observer le soleil. Alors, on fait toujours attention à ce niveau-là, surtout lorsqu'on fait des activités avec les jeunes à l'école ou ailleurs. Eh bien, on fait toujours attention à ça. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait eu une éclipse totale de soleil. Mm-hmm. Puis il y avait des compagnies qui fournissaient des filtres. Des filtres, comme des lunettes, là, mm-hmm. en carton. Oui. C'est en 2024, il va y en avoir une, au mois d'avril, une éclipse totale, un peu comme celle qu'on a vécue, si je me souviens bien, c'est en 1963. Je l'avais observée à ce moment-là. Mon père m'avait prêté son masque à souder. Ah. Puis j'avais observé la totalité de l'éclipse à ce moment-là, mais je ne suis pas certain que c'est en 63. Il faudrait que je vérifierais. Mais je me souviens que j'étais au petit lac Saint-François, qu'on avait passé l'été là, puis j'avais observé
pendant toute l'éclipse au complet avec le masque à souder. Donc, ça prend vraiment du matériel spécial. Ouais. Et c'est un beau souvenir que j'ai. c'est un peu ça qui m'a donné l'intérêt à l'astronomie, puis bien d'autres choses. Ça doit être de celle-là que je parle, en 63. Ben, moi aussi, j'étais petit gars. C'est ça, on était jeune à ce moment-là. Passer le 8 novembre, eh bien, vous pouvez continuer à observer le ciel. Il suffit de lever les yeux, voir les étoiles, apprendre les constellations. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, à moins d'être astronome professionnel, eh bien, la première chose qu'on doit faire pour observer le ciel, c'est tout simplement d'utiliser nos yeux. Donc, on regarde avec un cherche-étoile, on apprend nos constellations. On apprend à reconnaître les mouvements de la planète, les mouvements des planètes, oui, le mouvement de la Lune, de quelle façon qu'on peut prévoir que la Lune va, la façon qu'elle va se déplacer. J'ai bien compris, la Lune, c'est un bon guide pour trouver les planètes. Oui, c'est un bon guide lorsqu'on commence à observer, parce que la Lune donne des points de repère pour savoir si elle est près d'un objet spécial dans le ciel ou si elle est loin d'un objet spécial dans le ciel. Puis une fois qu'on a repéré ces objets-là dans le ciel, bien c'est toujours plus facile par après de les repérer à nouveau. Donc, on se sert de la Lune pour la repérer une première fois, et par la suite, c'est très simple. C'est un peu comme l'étoile polaire. Oui, effectivement. Une fois qu'on sait où elle est... Puis elle est dans la queue de la petite ours. Ouais. Mais la petite ours, elle est quand même parfois difficile à repérer parce que ça dépend de la qualité du ciel. Il faut toujours s'éloigner un peu de la pollution lumineuse. Je me souviens que j'ai déjà tenté de faire des observations ici à Thetford. Malheureusement, c'est presque impossible. Il faut vraiment s'éloigner. Mais il y a eu un règlement municipal qui a été adopté pour réduire... la pollution lumineuse à Thetford. Oui, c'est un règlement qui est intéressant dans le sens que ça a permis pour de contrôler l'intensité lumineuse pour les entreprises. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont quand même des lampadaires installés chez eux qui ne sont pas réglementés, okay. Puis qui sont faits pour éclairer, je fais toujours des jokes avec ça, mais éclairer, c'est fait pour éclairer un terrain de football. C'est pas fait pour éclairer une maison, là, mais malheureusement. Donc, moi, à l'endroit où je demeure, au petit lac Saint-François, je peux pas observer le ciel en direction de Thetford. Il y a un dôme lumineux, dôme lumineux intense qui est vraiment qui nous empêche finalement d'observer le ciel. Il y en a un petit aussi au-dessus de Black Lake, là, la section Black Lake. De chez nous, c'est moins pire. Mais quand je prends des photos en direction d'Israeli, même s'ils ont installé des lumières OLED, eh bien malheureusement, les lumières OLED sont trop puissantes. Encore trop puissante. Trop puissante. Puis il y a un dôme de lumière au-dessus d'un village, ou bien d'un village. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de village, mais d'une ville comme Disraeli. Tant que je prends des photos en direction d'Israeli, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas prendre de photos en direction de Thetford non plus. Donc, il reste quand même une bonne partie du ciel où on peut prendre des photos. Vous allez du côté de lac Mégantic? Oui, avec la réserve de ciel noir qu'il y a dans la région de Mégantic, ça s'approche. Les gens sont de plus en plus sensibilisés au fait que les lumières peuvent être parfois nuisibles pour bien pour observer. Puis, parfois, les lumières aussi sont bien placé, mais mal dirigé. Fait que c'est tout simplement de faire attention pour diriger les lumières, pour éclairer ce qu'on veut bien éclairer. Puis, ce serait parfois préférable d'installer des détecteurs de mouvement pour allumer les lumières lorsque c'est requis et d'éteindre les lumières lorsque c'est pas nécessaire. Donc, quelqu'un se présente chez vous, les lumières vont s'allumer. Si c'est un voleur, il va avoir peur. C'est un joli moment. En décembre, est-ce qu'il y a des choses à observer? Actuellement, je n'ai pas regardé ce qu'il en était vraiment en décembre, mais il y a toujours des choses comme les planètes vont être visibles facilement pendant tout l'hiver. Saturne, Jupiter, la Lune revient tous les mois. Ouais. Donc, présentement, le summum d'observation, c'est le 8 novembre. Le 8 novembre, ça, c'est un spectacle à ne pas manquer. C'est toujours très intéressant. Puis si vos enfants sont intéressés à observer une éclipse de lune, c'est le temps d'élever tôt. À 4h10, l'éclipse, la lune va rentrer, va commencer à devenir orangée,
puis de plus en plus orangé jusqu'au coucher du soleil, lever du soleil. Effectivement. La lune va se coucher à ce moment-là. Bien, c'est intéressant et j'espère que du côté de la projection lumineuse des villes, on réussira avec le temps à la réduire un peu, sans mettre en jeu la sécurité des gens non plus. Effectivement. Ce que je souhaite, c'est que le ciel du Québec devienne un beau ciel noir pour ceux qui veulent en profiter, puis que les mesures de sécurité soient mises en place aussi. Mais on peut toujours aller à Saint-Adrien d'Irlande. C'est toujours un beau coin. Oui. Je continue à y aller. Alors, beau point d'observation. Monsieur Laflamme, merci beaucoup de ces informations-là. L'émission va être diffusée le 19 septembre. Mm-hmm. Alors, les gens auront le temps de se préparer pour le 8 novembre particulièrement. Effectivement. Mesdames, messieurs, j'espère que l'émission vous a plu. Et surtout, ne manquez pas le point culminant de cette rencontre-là qu'on a aujourd'hui. C'est le 8 novembre pour une éclipse totale ou presque totale de lune. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.